Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Napoléon Total War, la montée de l'Empire, avec la Prusse. Donc là j'ai Blücher, on va attaquer le Württemberg, quoi faire en automatique, on gagne évidemment et on va libérer ça en protectorat. J'ai deux unités de milices de merde qui vont gentiment repartir vers le nord. On va se refaire de la maison marchande. Mon armée ici, en tout cas, qui, elle, se porte plutôt bien. Et c'est quoi ces unités? C'est des grenadiers. Je vais prendre des grenadiers. Elles sont détruites. Une nouvelle nation qui se lève. Ce pays-là, on va lui demander... un petit accord commercial. J'ai demandé aux Ottomans de me foutre la paix. Tiens, mais je sais, il me casse les couilles. Hein. Paix avec l'Espagne. On va un accord commercial avec Carlos IV. La France est également en guerre avec l'Angleterre. Ah, intéressant. Allier les Habsbourgeois, la Sicile, la Prusse, Danemark, Sardaigne. Pas avec la Russie, c'est une bonne chose. Danemark-Norvège. Si je me laisse de cramer Copenhague, je pense que ça va être le calmer, je pense. Bon, je ferai ça. Je ferai ça après, au prochain tour. Je vais tenter d'achever gentiment ces petits... les rebelles, et après je m'occuperai de... après je m'occuperai de combien qu'on s'appelle? Du Danemark. Oh, ils sont mignons, regardez-moi ça. Non, je peux que gagner. Hein. Armée sabotée. Les mecs ils repètent les baraques des marchands, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments qu'on peut améliorer? Si, pâturage, il y a rien, c'est même pas été développé ça. Bon allez. Deux tours, on a de quoi améliorer nos troupes, notre armée. C'est renforcé. Je recruterai également de la troupe pour... pour une autre armée. Ça va pouvoir renforcer l'armée qui glande à Kassel. Butcher, par contre, toi tu vas gentiment remonter vers Munster. Je m'occuperai d'abord du Danemark, une fois que je suis sorti du Danemark, je m'occupe de la Frise. Hors de question d'avoir à gérer trop de pays à la fois.
grève en Silésie. Ah. On va recruter de la milice, hein. Grève en Prusse occidentale. Qu'est-ce qui s'est cassé les couilles encore ce genre-là? Émeute au Mecklembourg avec Cassé-Burn. Grève en Poméranie. Il y a un truc qui s'est passé. Grève en Galice. Ça sent le coup de... Oh, une technologie qui est débloquée, mais une technologie qui les rend mécontents. Mali Bessarabie. Rébellion en S-Castle. On massacre tout ça. Plus cher après tout cher aussi son armée. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un truc très simple, une politique où on va baisser les taxes. Pour le tour, ça va être calme. Danzig, ça va gueuler. Pour le tour, ça va être un tour assez chiant. Démocratie, non, on va pas changer ça. Déjà, on va chercher les théâtres locaux. Ce sera beaucoup moins problématique pour le moment. C'est parti, c'est italien. Ah non, ou alors c'était juste Milan. Non, c'est pas Milan. J'accepte. Et j'ai un accord commercial, Danemark. T'as le, la S qui était reprise. Putain, merde. Blucher, je t'explique un truc, tu vas reprendre cette province, tu vas refaire le siège. Danzig va mettre de la milice. Ça va les calmer normalement. Ensuite, j'ai eu des rebelles en masse dans ce bazar. Alors, par contre, la province là, ici, le Danemark, on va demander un petit accord commercial. C'est pratique.
saigner pour reprendre cette province de merde. Pas trop fort comme Castelburne, cette province, par contre, on va pas se mentir. Il va falloir beaucoup de troupes. Bien sûr. Mais t'es mon allié! Pourquoi tu fais ça, la Bavière? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je te pille, que je te ravage? Sinon, est-ce que je te rache ton pays? Moi, je le fais, hein. Bah, allez. Là, ils me disent que non, non, c'est trop dur. Allez, vous allez voir. C'est trop dur que dalle. Allez, fumez-moi tout ça. Bon, on va fumer comme d'habitude, hein, vous allez voir. Alors, voilà, on est bien placé. Toute sa puissance de feu est concentrée là-bas. Moi, je suis évidemment, malheureusement, en ville. Et bien, c'est quoi? Fuck it. Mes obusiers, ils vont rester derrière. Je vois si je peux pas avoir une puissance de... Quel temps de chien, monsieur. Avec de la poudre humide... Toutes nos armes feront long feu. Bah si, je peux le choper à distance, vous allez voir. Ah bah tiens, regardez, on va rire un petit coup. Quitte à ce que, bah, on soit pété, hein. Ah bah allez, on va jouer un petit peu, hein. Et on va jouer, hein. Il veut jouer en face. Bah on va jouer. Je vais tracer la ville, moi, s'il le faut. Donc, est-ce qu'on peut mettre dans les baraques? Ah oui! Je vais vous planquer dans les maisons, hein, les gars. Tiens, tant qu'à cheater comme des connards. Et puis vous là, qui savez pas grand chose. Je vais le placer ici, sur le côté. Avec 2, 3, 4 unités, bien vénère, tranquille. Ensuite. Voilà, vous allez vous mettre avec les potes là-bas. Ah, et puis ben, le général, il va être là. Non, non, ici. Tant qu'à foutre de la cave. Les régiments de cave, on va les mettre derrière, tranquillement là. L'autre régiment de cave, lui, il va être... Ici.
J'ai un régiment d'infanterie qui glande rien. Ouais, j'ai un régiment ici, moi. Alors déjà, premièrement, l'artillerie, elle se placer gentiment ici. Voilà. Ah, puis oui, les obusiers, par contre, eux, vous tirez dans les canons. Je vois les obus qui arrivent ici. Tirez là. C'est quoi cette... Oh, oh, oh. Ça tire pas souvent, mais quand ça tire... Ah oui, quand ça tire, ça tire, ça tire, hein, je peux vous mentir. Ah, puis vous là, qui vous faire chier, hein, rentrez à la maison. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. Accélère un petit peu, messieurs. Souvent un obus de tir par ici. Je vois où quand ça a explosé. Allez. Comment on fait pour rater les tirs pareils, les mecs? Au moins une des batteries de gun part en déroute. Je vais tirer sur l'autre ici. Je vais tirer sur les deux batteries latérales avec un peu de chance les tirs toucheront également celle-ci et celle-ci. Quand je tirerai sur celle-là, ça touchera un petit peu celle du centre. Et le général. Allez, on continue les boum boum. Bon, eux, c'est assez con pour revenir là où justement les zones d'impact. Hein. Ah boum! Ouh! Petit impact. Ah maintenant, l'obusier, tu vas toucher ces mecs-là. Non, juste les artilleries, l'artillerie qu'elle a. Avec un peu de chance, on va pouvoir pulvériser l'artillerie ennemie. Juste raser les baraques sur le chemin. Nous on a nous on s'amuse, on tape dans le tas.
Allez, on continue à tirer. On va shooter à mitraille tout ce qui se pointe. Là, ça commence à se faire tirer dessus, donc du coup. On va tirer ici. À travers l'angle. Entre les maisons, ici, pour pouvoir abattre les troupes qui auraient l'idée de venir. Je pense que je vais bien endommager la baraque, enfin la ville, mais bon. La cave lourde, c'est quoi ça? C'est du chevaux léger. Je vous ai dit que les chevaux légers vont pas tenir très longtemps face aux cuirassiers. Allez. Mitraille. Chevaux légers contre chevaux légers. Le but c'est pas de les... C'est pas qu'ils puissent simplement continuer à foutre la merde davantage. Hein. Les obusiers. Oh, il a recommencé à sortir ses canons. Non, les obusiers, vous avez plutôt de tirer dans la masse, parce que l'ennemi va être quand même assez relou. La cavalerie, vous reculez. Alors, ici, soit c'est combattant dans le carré, donc ça va faire une très jolie cible. Ah bah oui. Hein. Un gros carré bien statique. Annihilé, le régiment anéanti. On leur a donné un beau carré là, tapez-moi le carré les gens. Faites-moi plaisir. On va faire les tirs d'interdiction, on va tirer par là, de manière à tout ce qui passe par là soit interdit. Faut que ce soit un couloir de la mort cette zone. On va tirer là-dedans. Carré. On va retirer sur les canons à bas, ils sont à nouveau actifs, j'ai l'impression. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va continuer à retirer là-bas. Alors, bon, ça se commence, ça se passe plutôt bien. Hein. Il me disait que je vais perdre. J'étais censé perdre les gens, je vous rappelle. Hein.
Je vais occuper cette cave là-bas. Ouais bah charger le bayonet c'est pas une bonne idée. On sont pas très nombreux heureusement mais bon. C'est quand même une grosse idée de merde. Enrouiller ma cave alors que les mecs en face font... C'est un carré ça? Ouais c'est un carré, on se tire. Là-dedans, tirez-moi ici. Il y a encore des canons qui tirent ou pas? Mais putain, oui, ça tire encore là-bas. Comment c'est possible? Voilà, on va faire une petite charge. Coucou messieurs. Bonjour. Ah, ah oui, ça fait mal. Ah, les combats urbains, là, lorsqu'il y a des troupes en ville, qu'on fait pas gaffe parce qu'ils arrivent par derrière. Hein. Je vais juste annihiler ça. Mais ce broken, je veux qu'il soit shattered. Bon c'est bon, on se casse. Là, pareil avec les troupes là qui sont près de l'église. Par contre là, il n'y a plus grand chose. Hein. Là, ça se défile. Quelle surprise. La mitraille est part en toutes les directions. Bonjour messieurs, que c'est vous la cavalerie? Et l'importance de faire gaffe à ce qui est derrière soi. Ah bah j'ai dans le dos là, c'est sûr, ils peuvent plus rien faire. Les tirs d'obusier, à mon avis, il y a des obusiers qui ont dû bien s'amuser. Oh là, regarde-moi ça, c'est une masse. Envoyez la cave là-dedans. C'est chargé. Vous poursuivez tout ça, vous massacrez tout ça. Je veux que ça soit shattered. Je veux pas que ce soit broken. Je veux que ça se relève pas.
Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Les 5 mecs là-bas, comment c'est que les 5 mecs sont pas en Shattered? Voilà, vous tuez ça maintenant. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Et ben, les hommes sont rompus de fatigue, c'est pas grave, non, on s'en fout, on a gagné. C'est une belle victoire, monsieur. Que ça, c'est évident, c'est une belle victoire. Bon. Qu'est-ce que t'exterminer? Et à ça? Nos hommes battent en retraite, monsieur. Quoi sont en retraite, la bande de glands? Non. Oh oui, le petit obus. Plein leur moule. Victoire héroïque! Victoire, et prenons fin de l'épisode ici, hein. Voilà, on était beaucoup, c'est plus nombreux, et bon, voilà, vous avez vu, je suis DPR. L'université sabotée, je sais pas qui est le bâtard qui a fait ça. Alliance brisée entre moi et la Bavière. Bon, là, c'est bon, c'est tranquille. S-Castle. Ça part depuis Berlin. Non, crétin, faut pas partir. J'ai payé tout le monde. Là, moins 20, vous inquiétez pas, ça va gueuler, bon. Je veux une grosse armée ici pour pouvoir m'occuper des petits rebelles bavarois. Allez avec la France, bon. Quelle surprise. Ouais, c'est vrai que si les pays trahissent, bon, la solution c'est autant les exterminer. Hein. Mais bon, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Attendez, je vais rajouter un petit truc, armé. Il n'est pas encore au top l'armée. Hein. Moins 4. Voilà, c'est calmé. Et je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Salut tout le monde.